paternité. Depuis toujours, c'est sur ces mots-là que roule le bonheur des hommes. Couple joyeux. Couples amoureux. Jeunes époux qui s'ouvrent à la vie avec confiance. Tant de bonheur. Maternité douloureuse. Berceau vide. Pitoyable malade qui traîne d'hospice en hospice à la charge de la communauté. Visage taré. Infirme. Criminel que la société a dû isoler. Couple stérile. Couples hostiles. Vieux époux qui s'ennuient ensemble. Et demain se haïront. Tant de malheur. Mais tous ces heureux et tous ces malheureux. Tous ces êtres confiants. Tous ces êtres maussades. Toutes ces promesses éparses dans le monde, de vieillesses entourées. Et toutes ces certitudes accablantes de vieillesses abandonnées. Qu'est-ce qui les sépare? Et qui, en les séparant, fait le malheur des uns et le bonheur des autres? Oh, moins que rien. Approchez-vous de ce microscope. Collez votre œil à cet oculaire et vous le saurez. C'est un infiniment petit, un spiroquette de 12 millièmes de millimètre, brillant d'un blanc argenté, le tréponème pâle, agent spécifique de la syphilis qui aujourd'hui atteint plus de 1/10 de l'humanité. Un être humain sur 10. 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 En Europe, par 50 millions d'habitants, la syphilis provoque chaque année 40 000 avortements, 20 000 cas de mortinatalité, 80 000 décès, soit 140 000 morts. Elle tue autant en 10 ans qu'une grande guerre mondiale en 5 ans. Mais ce tréponème qui avouait une haine si tenace à l'espèce humaine, comment l'attrape-t-on? Parfois de la façon la plus simple. Le rasoir sale d'un coiffeur. Un verre. Un objet quelconque. Suffise à le transmettre. Un objet quelconque. Objet quelconque. Chacun de ces nouveaux contaminés devient lui-même dangereusement contagieux. Disons toutefois que la presque totalité des syphilis ont pour origine un contact sexuel de l'intéressé. C'est toujours la même histoire. On se laisse entraîner. On se laisse tenter. On a une bonne fortune, enfin, ce qu'on croit être une bonne fortune. Petite femme, mi-honnête, mi-facile. Adolescente, qui change souvent d'amoureux. Jeune ouvrière qui va de fiancée en fiancée, sans se douter qu'elle fait ainsi l'apprentissage de la prostitution. Et trois semaines après, apparaît le chancre, signe parfois si évident qu'il prévient et effraie en même temps la victime. C'est ce qu'on appelle l'accident primaire de la syphilis. D'autres fois, par contre, le chancre n'est pas aussi visible, malheureusement. Par exemple, c'est un petit bouton qu'on remarque à peine, qu'on néglige.
On néglige, oui, mais le tréponème est dans le sang, dans l'organisme, et poursuit sa marche en avant. Un mois et demi après le chancre, apparaissent sur la peau de petites taches couleur fleur de pêcher, la roséole. C'est la période secondaire de la syphilis. On a bien envie d'aller voir le docteur, mais les taches disparaissent et alors on n'y pense plus. Un jour, on décide de se marier. On se marie. On va être heureux. Quelques temps après, une maternité s'annonce. Quel bonheur. Déjà, la future maman prépare la layette du bébé. Advienne un accouchement avant terme. On ne comprend pas. L'année d'après, une autre maternité. De nouveau, on s'apprête à accueillir avec joie l'enfant désiré. Inutile. L'enfant est mort-né. Mais on veut un enfant, on n'est pas de ces parents égoïstes qui... On forcera le destin. Une troisième maternité. Cette fois, l'enfant naît et vit. Il aurait mieux valu qu'il ne vécût pas. Il est, il restera taré. Taré. Et bientôt surviendront les tragiques accidents tertiaires. Ce sera le tabès qui enlève à l'homme le contrôle de ses mouvements. Ce sera la névrite optique qui aboutit à la cécité. Ce sera l'hémorragie cérébrale ou la rupture d'anévrisme qui amène la mort foudroyante. Pire, ce sera la terrible paralysie générale qui prive l'homme de sa raison en lui laissant souvent l'apparence d'un être raisonnable. En créant des comptoirs de vente dans toutes ces régions, dans tous ces pays, comme je viens de vous l'exposer, vous avez pris note, messieurs, nous allons obligatoirement décupler notre chiffre d'affaires. J'ai déjà obtenu d'amis et de banques une première avance de 200 millions. D'autres suivront. Dumont, il faudra recruter pour ces nouvelles succursales un personnel de choix. Pamelier, je compte sur vous pour l'organisation d'une publicité intensive. Et vous, Ardouin, dans votre comptabilité, tenez compte que sur ces 50 nouveaux comptoirs, la plupart d'entre eux, étant donné l'importance limite dans lesquelles nous les avons... La paralysie générale, qui donne par exemple à un jeune patron qui jusque-là dirigeait sa maison avec conscience et avec prudence, des idées grandioses d'aventure, de bluff, de combinaison commerciale, le menant à la ruine, à la faillite. Alors, inscrivez. Un bureau. Loyer ciré. Un fauteuil. Cuir. Une garniture de bureau. La paralysie générale qui inspira un jour au mécanicien d'un rapide, cheminot consciencieux estimé de ses chefs et d'un passé irréprochable, une réponse surprenante. Perdu ? Les signaux sont fermés. Les signaux ? C'est pas pour moi. C'était infamant. Et de vieilles estampes nous apprennent que les vénériens admis à l'hôpital y subissaient le fouet à l'entrée et à la sortie. En 1850, il n'y a pas 100 ans, on les reléguait encore dans les locaux les moins confortables des hospices. Nourris de déchets, ils étaient marqués sur leurs vêtements d'un V infamant qui les désignait au mépris et au dégoût des autres malades. Et au début de ce siècle, ni les malades, ceux-là pourtant qui avaient le courage de consulter un docteur, ni les docteurs eux-mêmes
n'osait prononcer le mot redouté. Docteur, voici ce qui m'arrive. Enfin, étant donné les chaleurs actuelles, nous allons voir. Ce n'est rien. Enfin, je veux dire, il faudra vous soigner sérieusement quand même. Vous m'entendez? Sérieusement. Mais tandis qu'on guérissait 10 individus, les syphilitiques, ignorants ou inconscients que personne n'inquiétait, en contaminaient 100 autres. De telle sorte que le fléau était en progression constante en France. Cependant, des savants essayaient d'arracher à la nature ses secrets. Bientôt, s'ajoutant au mercure employé déjà depuis longtemps, Ehrlich allait découvrir les propriétés merveilleuses dans le traitement antisyphilitique de l'arsenic. Sazerac et Levaditi, celle du bismuth. Heures de recherche laborieuses, méthodiques, patientes, traversées d'éclairs et de désespoir. Cinquième essai que je fais. Et je n'ai encore pas obtenu ce que je veux. Je ne sais pas si je dois continuer. Ne te décourage pas, Ehrlich. Si ta prochaine préparation réussit, on l'appellera le 606. Et aujourd'hui, Fleming, avec la pénicilline, nous ouvre de nouveaux espoirs. Le professeur Alfred Fournier déclare la guerre à la syphilis. À son appel, de nombreux postes de surveillance et de combat se créent. Modestes dispensaires de province, installations luxueuses des villes. Ici et là, les malades, et ceux aussi qui ont quelques doutes, sont reçus à toute heure de la journée, sans obligation par conséquent pour eux d'interrompre leur travail. Un dossier est constitué et les soins nécessaires sont donnés gratuitement, discrètement, sans douleur, sans danger. Et un jour vient où le médecin dit au syphilitique qui était venu le trouver désespéré, songeant au suicide. Mon ami, vous êtes guéri. Vous pouvez vous marier. Merci, docteur. Il est guéri. Deux lois prises en 1939 et en 1941, et qui sont en quelque sorte les filles spirituelles du professeur Alfred Fournier, permettent désormais, par un système de fiches épidémiologiques, où les noms des malades sont discrètement remplacés par des indicatifs, de savoir, quand on se trouve en présence d'un syphilitique, par qui il a été contaminé. Voyons comment on procède. Cette jeune femme, qu'un accident imprévu, l'apparition d'un chancre, avait affolée, a été envoyée par son médecin à l'Institut Alfred Fournier. On l'a soignée, elle ne contaminera plus personne.
On l'a interrogé. Madame, je me permets d'insister. Il faut absolument nous dire quelle est la personne qui vous a contaminé. Non pas pour la punir ou l'inquiéter, non. Nous ne sommes pas des policiers ni des professeurs de morale. Mais uniquement pour la soigner, comme nous vous soignons. La dame a peur. Mais voyons, docteur, que voulez-vous que je vous dise? Je vous répète que je n'y comprends rien, absolument rien. Je suis mariée et je n'ai jamais trompé mon mari. Le docteur connaît la chanson. Bien, madame. Si cette femme dit vrai, c'est donc son mari le responsable. Le mari est convoqué. Il ne sait pas pourquoi ou il affecte de ne pas le savoir. Je comprends rien à toute cette histoire, moi. Un examen médical, pourquoi moi plutôt que... Pourquoi? J'ai bien vu dans le couloir en attendant toutes vos affiches sur la syphilis. Alors là, ça je peux vous le garantir, je l'ai pas, puis je risque pas de l'attraper. Parce que moi, vous savez, pourvu que je puisse faire ma petite partie de cartes tous les soirs, de tout ce que je demande. C'est pas une blague qu'on m'a faite, au moins. Mais le médecin lui explique que l'affaire est sérieuse, qu'on ne l'a pas dérangé pour lui attirer des ennuis, mais bien dans son intérêt. Finalement, l'homme accepte une prise de sang. L'analyse donne en effet une réaction négative. Je ne puis rien ajouter à ce que je vous ai dit déjà. Nous avons reçu une dénonciation nous informant que vous étiez contagieux. Vous risquez de le devenir. Mais qui a pu vous dire? Qui a pu se permettre? Croyez-moi, nos renseignements souvent ne sont pas mauvais. Il faudra revenir. Trois fois, le mari est revenu. Examen clinique et prise de sang. Examen et réaction négative. Est-ce que ça va durer longtemps, cette histoire-là? Examen clinique et prise de sang. Examen et réaction négative. Ah, oh, mais c'est pas possible, ça vous me prenez pour un cobaye. Examen clinique et prise de sang. Réaction encore négative. Mais la constatation clinique, plus précoce que l'examen de sang, a révélé l'apparition d'un chancre. Pas de doute, par conséquent, cet homme avait reçu la syphilis de sa femme, il ne la lui avait pas donnée. Le brave homme était effondré. Ah, oh, ça par exemple. Ça par exemple. Le mari est mis en traitement, il ne contaminera personne. De nouveau, le docteur convoque la jeune femme. Écoutez, madame, je vois 200 personnes par jour. Je ne vous connais pas. Dans un quart d'heure, j'aurai oublié votre nom et votre visage. Ça m'est absolument égal que vous ayez eu un amant. Je vous en supplie, dites-nous la vérité. Docteur. Docteur, il faut que je vous explique. Il faut que vous me compreniez, que vous me croyiez. Mon mari ne fait pas attention à moi. Il n'a qu'une passion. Le jeu de cartes. Tous les soirs, il est au café et je reste seule. Dans la journée, je suis seule aussi. Alors, vous comprenez? Un jour, je vous le jure, c'est la première fois que je trompais mon mari. Ouf. Le docteur a enfin le nom. C'est un aviateur et il sait que l'adultère a eu lieu à la faveur d'un voyage de la femme dans telle ville de France où le pilote réside. On transmet le dossier au service sanitaire du département intéressé et bientôt le galant et dangereux séducteur recevra la visite d'une assistante sociale dont la tâche n'est pas agréable.
Chef Robert. Moi-même. Mademoiselle Duchâtel, assistante sociale. J'ai une mission difficile à remplir. Difficile? Délicate. Venez. On n'est pas bien grand ici. Asseyez-vous. Merci. Cigarette? Non, merci. Aussi délicate que soit votre mission, vous vous en tirerez sûrement très bien. Gentil comme vous êtes. On est prêt à tout entendre de cette jolie bouche. Prêt à tout entendre? Eh bien, tant mieux. On vous accuse d'avoir contaminé une jeune femme. Et alors? Alors, c'est tout simple. Nous sommes obligés de vous demander de vous présenter à notre dispensaire pour y passer une visite médicale. Bon, ce ne sera pas long. Et le jour est laissé à votre convenance. Vous vous serez reconnu indemne et nous vous ferons des excuses pour vous avoir dérangé inutilement. Ou vous avez réellement la syphilis. Dans ce cas, il est de votre intérêt et de votre devoir, de votre devoir d'homme conscient, de vous soigner immédiatement. Vous voyez que ce n'est pas tellement effrayant. S'il refusait, eh bien, s'il refusait, le surlendemain, il recevrait une lettre recommandée, ne portant aucune indication extérieure révélatrice, lui enjoignant de se soumettre à une visite médicale. Et s'il ne s'y présentait pas, il serait hospitalisé malgré lui. Eh bien non, je ne refuse pas. Vous avez raison. Depuis quelque temps, j'ai remarqué en effet des choses qui m'inquiètent. C'est gênant de dire ça à une femme. J'ai l'habitude. C'est mon métier. Peut-être. Ah, ça doit être cette satanée petite garce. Ça dure depuis 6 mois. Chaque fois que je vais à Paris, j'aurais dû m'en douter, elle m'inspirait pas confiance. Quelle satanée petite garce? L'assistante note dans sa mémoire un nom, une adresse. Rue de Paris. Bon, l'aviateur a accepté le traitement. Il ne contaminera plus personne. Et nous nous retrouvons à Paris au dispensaire Alfred Fournier. Malade, moi? Oh non, je suis pas malade. Je l'ai jamais été. Même quand j'étais mauve. Ni la coqueluche, ni la rougeole, ni la scarlatine. Jamais enrhumé. Jamais mal au crâne. Alors, c'est pas maintenant que je vais commencer, vous vous rendez compte? Oh, vous, avec votre air triste, vous pouvez sans doute pas en dire autant. La fille, cependant, sera examinée. Aïe! Vous me chatouillez. Vous n'avez peut-être jamais eu, je veux bien vous croire, ni la coqueluche, ni la scarlatine, ni la rougeole. Mais en tout cas, actuellement, vous avez la syphilis. Ah, même pas vous dire merci. Mais la syphilis de cette fille est plus récente que celle de l'aviateur. C'est donc lui qui a contaminé sa compagne. Celle-ci n'en est pas moins terriblement dangereuse. La voici mise en traitement, elle ne contaminera plus. L'aviateur est à nouveau interrogé, il cite un autre nom. Lida, une de ces pseudo-étudiantes qui hante le quartier latin et qu'il a connue au cours d'une permission. C'était bien elle la contaminatrice initiale. Elle aussi sera traitée, elle ne contaminera plus. Et l'on continue ainsi, et l'on remonte le cours de la transmission de la maladie aussi loin qu'on le peut, aussi près que possible de la source contagieuse. Mais parfois, une des enquêtes s'interrompt, car il y a des femmes, évidemment, qui ne peuvent pas se souvenir. Et que de surprise! Lida avait initié ce jeune collégien, qui, en vacances, à son tour, séduisit sa cousine, fille d'un notaire de province.
on délègue une assistante sociale auprès de la jeune fille. Est-ce que je présente mademoiselle? Vous voulez parler à ma fille? Oui. Entrez. La bonne vous montrera le chemin. Encore une quête. Me soigner? Vous venez pour me soigner? Oh, mais c'est extraordinairement amusant. Comment avez-vous pu savoir que j'ai de l'eczéma? Hélas, ce n'était pas de l'eczéma, c'était une éruption syphilitique. Cette jeune fille aussi sera soignée, comme les autres. Comme les autres, elle guérira. Comme les autres, elle se mariera. Elle aura des enfants sains. La syphilis est curable. Mais en vérité, c'est trop bête de risquer sa santé, son avenir, sa vie, pour un plaisir malsain et fugace. Le bonheur, le vrai bonheur, n'est pas là. Il est dans un regard clair, dans une promesse loyale. Dans une union, pour le meilleur et pour le pire. Quant aux cloches, semblent se mêler déjà les rires des enfants de demain. Le bonheur est là. Le bonheur est là, si simple, si facile à saisir, et si grand, qu'il peut emplir toute votre vie.